Comment vendre son diamant? Vous vous demandez peut-être comment vendre votre diamant. Moi, ce que je peux affirmer, pour nous, les acheteurs de diamants dans le monde entier, quand on pense, on réfléchit, on veut faire le pas d'aller en Afrique, on veut faire une affaire de diamants, toujours la question qui se pose, qu'on pose, est-ce qu'il s'agit d'une affaire de diamants ou un arnaque? Malheureusement, ça c'est très négatif pour l'image de l'Afrique. Jusqu'à maintenant, je travaille pendant plusieurs années en diamant brut en Afrique. Et j'ai voyagé, j'ai travaillé dans plusieurs pays. Et jusqu'à présent, la plupart des gens avec qui j'ai affaire, c'est des gens qui pensent toujours qu'ils n'ont pas un esprit de business, de businessman, un esprit d'affaires, un esprit commercial, un esprit d'investissement. Quand tu rencontres un inconnu, il veut tout de suite et te demande de l'argent. Ça, c'est pas bien. Toi, si tu es un mineur, si tu es un criseur de diamants, quand tu rencontres un vrai acheteur, toi, tu as ce diamant, tu peux trouver d'autres diamants, mais l'acheteur, il a que cet argent qu'il a. Peu ou beaucoup d'argent, c'est cet argent qu'il a. S'il perd, il ne peut plus trouver d'autres argent. C'est pour ça que c'est normal que l'acheteur est plus méfiant que toi. Il doit être plus méfiant que toi. Toi, tu es méfiant, c'est bien. Lui aussi, il est méfiant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À la base, il faut construire une relation de confiance. Pour faire une affaire de diamant, il faut tout d'abord faire le premier pas. Faire le premier pas, nous, dans notre bureau de diamant qui est au Maroc, nous exigeons faire la première affaire ici au Maroc. Tu dois ramener le diamant au Maroc, tu le envoies avec quelqu'un, avec un moyen où tu viens toi-même, on te paye. Tu ne vas pas donner gratuitement, tu vas prendre l'argent, mais ici. Une fois que tu nous ramènes une pierre et on fait affaire ici, là on peut te aller avec toi où tu veux, on peut te voler de l'argent, on peut te acheter du matériel pour construire, pour creuser, pour chercher, on peut te financer. Voilà.